Bonjour, bonjour à tous. Alors, bonsoir et bienvenue dans notre 18e rendez-vous cocooning. Je vous fais une vidéo ce soir parce que je ne suis pas disponible pour être en live. Et donc, je ne voulais absolument pas louper ce rendez-vous avec vous. Et voilà, et je vais vous inviter à prendre ce petit temps de pause comme on le fait d'habitude. Et puis, à tout simplement vous connecter à votre respiration. Respirez, faites 3-4 grandes respirations longues et profondes pour vous sentir pleinement présent, présente, pleinement dans l'instant présent. Et puis vraiment vous poser, déposer votre corps. Après cette journée, ce lundi qui a été certainement bien chargé. Voilà, tout simplement vous sentir là, vous sentir être à travers votre respiration qui est votre ancre dans l'instant présent. Et puis aujourd'hui, voilà, j'ai envie de partager un petit texte avec vous sur qui est extrait de la voix de Marie. Voilà, je vous le lis. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Il est temps d'arrêter de te plaindre et de broyer du noir. Tu ne crois pas? Tes problèmes sont-ils réellement des problèmes ou bien est-ce simplement une manière de voir les choses? Sache qu'il existe une technique très puissante pour cela. Il s'agit tout simplement de choisir de ne pas les voir, de faire comme s'ils n'existaient pas. Tu perds trop d'énergie à vouloir éliminer les problèmes de ta vie en cherchant et en mettant en œuvre des solutions. Il existe quelque chose de beaucoup plus efficace. Fais simplement ce qui est à faire chaque jour dans la joie de l'instant présent et il est fort probable que tes sujets d'inquiétude disparaîtront comme par magie. Essaye, tu verras bien. Qu'as-tu à perdre ? Alors, c'est un petit texte qui nous rappelle de vraiment vivre dans l'instant présent. Voilà, d'arrêter de partir dans nos ruminations, dans le fait de se plaindre sur des choses qu'on a vécues ou sur des perspectives. Voilà, on est sans arrêt soit dans le passé, soit dans le futur. Et c'est vraiment de nous dire que finalement, la joie, elle est dans l'instant présent. Et finalement, on peut... oui, on a plein de problèmes, tout le monde a plein de problèmes, mais... Est-ce que je peux changer mon focus? Est-ce que je peux apprendre à mieux vivre dans l'instant présent? Ne pas être finalement prisonnier ou prisonnière de mon mental qui m'emmène, voilà, en général ailleurs que dans l'instant présent. Voilà, c'est ce que ce petit texte vient nous dire et je trouve ça chouette parce qu'il y a des fois, voilà, on rumine, on voit les choses tout en noir et puis après on part dans un... on se fait notre film, hein. Et puis finalement, voilà, la joie nous quitte. Et c'est tellement facile de, voilà, de se remettre dans l'instant présent, dans notre corps, dans nos sens, dans nos émotions et de lâcher finalement le mental avec toutes les idées noires qui vont avec. Voilà, donc c'est mon invitation pour ce soir. Et puis, n'oubliez pas aussi... de mettre sur un petit bout de papier, j'ai oublié de vous le dire hier soir, mais donc ce soir vous pouvez mettre deux bouts de papier dans votre petite boîte avec deux rêves que vous aimeriez réaliser en 2018. Voilà, qu'on fait ça jusqu'à Noël. Donc pensez tous les soirs à mettre votre petit rêve sur un papier. Voilà, bah écoutez, je vous fais des gros, gros, gros bisous, je vous embrasse bien, bien fort. Et je vous retrouve en tout cas demain en live. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une merveilleuse soirée pleine de joie et de douceur et de sérénité pour débuter cette semaine. Allez, au revoir.